le prévoit la Constitution, le deuxième lundi du mois de janvier. Cette année, c'est le lundi 8 janvier 2018 et la tenue de l'Assemblée nationale. Gagnant, président Kavin fait message à la nation et premier ministre là qui va lui faire bilan de dernière session, dernier 6 mois que il est passé dans notre pays, il va lui faire bilan devant l'Assemblée. Ni bilan, ni sans débat, et message là, justement, il est délivré aux sénateurs et aux députés. Assemblée nationale, ça, il va fermer session extraordinaire là, et il va ouvrir session ordinaire là, pour année législative là. Et immédiatement après tenue assemblée ça, dans les deux chambres, que ce soit à la Chambre des députés ou au Sénat de la République, nous allons gagner déroulement élection pour nouveau bureau. Et nous tenons à ce que transition ça nous fait, premièrement de l'année dernière à cette année pour l'ouverture de l'Assemblée et de l'année législative à travers l'Assemblée nationale, et également de nouveaux bureaux, les mêmes qui vont prendre place pour les diriger Sénat pendant l'année et Chambre des députés également pendant l'année. Sur la question des mandats, il y a des mots qui baillent au niveau de la commission, il y a des travaux qui a fait. Mais nous-mêmes, et comme de fait, nous te disons déjà, la question du mandat sénateur n'a pas posé problème, puisque le sénateur est minimum élu pour 4 ans. Le sénateur qui était deuxième est élu pour 4 ans, ça qui était premier est élu pour 6 ans. Le mandat sénateur a fini même l'heure avec le mandat député, alors le mandat sénateur qui était deuxième. Il a fini en janvier 2020. Élection a fait dernier dimanche du mois d'octobre 2019 et nouveau élu a entré en fonction en 2020. L'autre information dans le journal ça nouveau achevé Kachidiocèse Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy Mésidor prend fonction officiellement samedi 6 janvier 2018 passé dans le cadre d'une cérémonie qui déroulait dans la cathédrale Port-au-Prince en présence du président de la République, Jovenel Moïse, première dame nan, Martine Moïse, membre gouvernement, président des branches parlement, président CSPJ, à diverses autres personnalités. Ancien archevêque métropolitain cap-haïtien Monseigneur Max Leroy Mésidor, remplacé Monseigneur Guillaume Poulard, qui prend retraite. Nous invitons à suivre le reportage Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Membre clergé catholique, là, évêque, prêtre, religieuse et chrétien catholique, recevoir nouveau archevêque Port-au-Prince là, en pile chaleur. Monseigneur Max Leroy Mésidor pral gen plus responsabilité dans mission pastorale li tankou voyager sous diocèse Nip Sud Grand-Est ak Sud-Est sans compter 119 paroisses dans département l'Ouest là. D'après vicaire archidiocèse Port-au-Prince Monseigneur Vital Médé, attente ak perspective yo en pile dans un contexte sociopolitique difficile. Les petits marchés appelés vulgairement et à juste titre Céradotes s'emparent de toute la ville de Port-au-Prince. Les jeunes femmes, mères précoces, majoritairement bafouées et abandonnées trop souvent, très souvent, par des maris inconscients et mal intentionnés, s'y accroupissent derrière leurs petites barques contenant des marchandises insignifiantes. Le problème des logements sociaux constitue un casse-tête à Port-au-Prince. Les bidonvilles poussent comme des champignons. Elles reflètent le sentiment religieux du peuple haïtien, car elles portent presque toutes des noms bibliques. Canaan, Jérusalem, Silo, cité de l'Éternel, cité de Dieu, que sais-je.
En effet, on se croirait vraiment en Israël, bien qu'on soit en Haïti. Tous les clergés de cet archidiocèse est déjà très disposé à collaborer avec vous. C'est 7 octobre 2017-là, Pape François a nommé Mgr Max Leroy Mésidor comme archevêque Port-au-Prince. Il vient remplacer Mgr Guy Poulard qui prend retraite. Dans l'homélie circonstance-là, Mgr Mésidor dit qu'il paraît pour jouer partition pâle dans l'avancement pays à travers mission pastorale Bon Dieu Bali comme conseiller religieux sous plan social et politique. Notre archevêque là a toujours bon place pour tout haïtien qui a lutté pour vivre avec dignité. Notre archevêque là a toujours bon place pour tout haïtien qui est honnête, parce que les haïtiens qui sont honnêtes toujours. A bien place pour haïtiens qui respectent tête yo. Nous parlons pile de corruption. C'est vrai. Mais grand pile haïtien qui pas corrompu. Grand pile haïtien qui respectent tête yo, même si yo grand goût, yo pas prend ça pas pour yo. Bravo pour yo. Ma pral travail pour l'église là présent dans toute zone, dans tout quartier. Pas un quartier qui trop pauvre, qui trop violent pour l'église là entrer. Je voudrais ajouter ceci pour tous les hommes et femmes politiques. Le vrai leader met les intérêts de son peuple avant les siens. Le vrai leader ne se détache pas de son peuple. Au contraire, il l'aide. Il le valorise. Il l'accompagne dans sa marche historique. Dans le respect et la tolérance, le vrai leader combat les inégalités sociales et travaille à l'amélioration des conditions de vie du peuple et à l'instauration de la justice. Cérémonie entrée officielle, nouveau archevêque Port-au-Prince-là déroulée en présence président République la Jovenel Moïse, première dame République la Martine Moïse, chef gouvernement Jacques Guy Lafontan, président de branche parlement et diverses autres personnalités. Nonce apostolique là, Eugène Martin Nugent, rappelé nouveau archevêque Port-au-Prince, Mgr Max Leroy Mésidor, rôle Pape François a tant li joué dans mitan chrétien catholique yo. Mgr Eugène Martin Nugent encouragé archevêque Port-au-Prince pour accompagner chrétien yo nan permettre yo vivre la foi yo comme ça doit. Yon extrait dans micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Vous êtes encore une fois et plus que jamais appelé à gouverner, enseigner et sanctifier le peuple de Dieu qui habite et vitalise cette énorme ville, la plus grande, la plus importante, aussi la plus complexe Haïti. Votre mission consiste, selon l'exhortation de saint Paul à Timothée, à proclamer la parole, à intervenir à temps et à contre-temps, à dénoncer le mal, à faire des reproches, à encourager, toujours avec patience et souci d'instruire. Deuxième lettre de saint Paul de Timothée, chapitre 4, verset 2. Excellence, aujourd'hui, c'est ici, dans l'archidiocèse de Port-au-Prince, que le Seigneur vous dit, comme il a dit un jour à Pierre, « Suis-moi, comme Jésus, votre cœur de pasteur vous amènera à être proche de tous, c'est-à-dire à exercer une pastorale de proximité et d'accompagnement. Accompagner autour des premiers et avec une sollicitude paternelle et patiente votre clergé, les religieux, religieuses, les consacrés collaborent avec vous. Encouragez-les dans leur mission. Accompagnez-le, le peuple de Dieu, votre troupeau, les jeunes, les familles, les pauvres, ceux qui sont proches et loin de l'Église, ceux qui ont le cœur blessé, affligé, égaré. Présentez à leurs yeux la joie de l'amour authentique, de la grâce
avec laquelle Dieu élève à la participation de son propre amour. L'autre dossier, premier forum Genio, fini samedi 6 janvier, dans Ranch Croix des Bouquets, après 3 jours, brasser l'idée sous thème La jeunesse mobilisée. Président public, là, Jovenel Moïse, t'es présent dans Clotilde Activité. Ça. Forum Genio, c'est résultat travail Commission nationale pour innovation avec insertion socio-professionnelle Genio. Chef l'État mettait sous pied dans le mois août 2017, là, dans tête collée. Ak ministère jeunesse et sport ak action civique. L'idée c'est permettre yo joindre encadrement nécessaire et puis aider yo joindre place yo dans société. A nous invite au suivre un reportage Sabine Jean-Étienne ak Jean-Naël Duvernay a présenté nous. Premier forum ça a membre comité communal yo, c'est résultat divers ateliers orientation commission innovation ak insertion socio-professionnel jeune yo fait dans 10 départements pays a pendant mois novembre ak décembre passé a. Initiative ça visé pour tes réponses à une série questions jeune qu'on a posé tête yo pour connaître est-ce que gen moun k'ap penser avec yo dans société a. Ça nous vive pendant 3 jours ça yo fait nous comprendre plus bien raison qui fait président république Jovenel Moïse choisi par jeune yo tout important ça la vision politique avec le programme gouvernement là. La jeunesse, c'est potomitan société. Sans nous, pas d'abgain l'espoir pour Haïti. Nous montrer pendant tout le temps, nous passer ici, dans le range quoi des bouquets, combien nous te soif pour l'État te vire regarder, j'ai regardé nous. Nous montrer combien nous avons volonté de travail. Pour pays nous Haïti vin belle, riche, prospère et puis vin stable. 3 journées chita parler ça, c'est occasion pour jeunes dans 146 communes pays a présenter projet yo ta remé réaliser. Faire échange entre yo et puis comparer réalité chaque commune yo. Commission a déjà remettre yon programme by président République là qui implique jeunes yo dans divers domaines tant que business, sport, culture, animation socio-culturelle, formation professionnelle ak lot encore. Président Jovenel Moïse passé un bon moment nan mitan jeune sa yo pour expliquer yo vision administration la gen pour secteur a. Chef l'État reconnaît toutefois système social la mérité yon gros passé main. C'est pays ça. C'est nous rêver pour nous quitter pour nous. On pays côté c'est l'inclusion, on pays côté c'est vivre ensemble. On pays côté c'est yon remè l'autre, yon tolérer l'autre, yon parler avec l'autre. Ce pays ça que me rêver déraper pour nous. Un pays côté méfiance qui installé en dans le confiance qui prend place méfiance là parce que pas une société sous la terre qu'on capable parler de développement là-dedans si le respect de la parole donnée c'est pas les mêmes qui boussole nous. Mais pour ça arriver fait faut nous yon commencer par la clotte. Faut nous yon commencer vivre à clotte. Faut nous yon commencer à rencontrer l'autre. Rêvez-vous, toujours camper d'elle. Pas jamais quitter mon rio. Pour faire honte pour rêve. Parce que rêvez-vous, c'est vous seul en premier qui vous croyez là-dedans. En pile jeune, à partir de ce pays. C'est conséquence, inconséquence, dirigeant, il passe. C'est conséquence système social là dans le pays. Un système qui chita sous l'exclusion. Un système qui chita sous qui mounouye, koto soti pour qu'on qui soit caillé dans la vie. Mais système ça, mon modèle campé devant nous là. 22 mois campagne, moi battu. Je dis à mon président. Système ça, nous tous qui là, nous avons battu. Mais pour nous battre, faut nous commencer à travailler sur mentalité. Faut nous commencer à connaître Haïti, c'est pays nous. Pas de personne qui va venir changer pour nous. Si nous besoin un pays meilleur dans 25 ans, c'est Kounia pour nous commencer. Activité ça a déroulé dans Range Croix des Bouquets sous thème la jeunesse mobilisée. Côté gagnon latrier technicien qui était encadré jeune yo pendant tout 3 jours. Président République Jovenel Moïse te profite remettre yon moto, yon laptop,
un smartphone ak un job internet bay chaque comité local yo pour permettre yo gen outils pour faire travail yo. Soirée ça t'a pral bout sou yon concert ak participation plusieurs artistes ak groupe connu nan secteur jeunesse la. Son gigolé qui coupe en force, son bouteille pour la bien glacée. Haïti, son bon brio, son bon métal, son bon tasseau, son bon lévi avec civique, son bon zéli avec la loi. Dans le cadre de Cloti 3 Jeunes Forum Genio, comité jeune dans chaque département pays a remet symboliquement ben président République la Jovenel Moïse yon chèque 25 000 goud comme participation yo dans reconstruction palais national là. Jeune sa yo expliqué yo te vle marquer reconnaissance yo à chef l'état pour travail développement socio-économique la réalisé dans pays a et spécialement dans secteur jeunesse là. Yon extrait dans micro Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. On prend décision pour chaque commune qui a un caille pour jeune. On prend décision pour faire range quoi des bouquets à tourner une grande cité pour la jeunesse. On prend gros décision pour créer une journée nationale pour jeunes. Journée ça a tout fait citoyenneté dans mois mars prochain. On prend décision créer un programme entreprise pour jeunes. Pour arriver sous le président, pour arriver sous la jeunesse. Ces bagailles nous saisit en pile parce que nous pas de penser journée aujourd'hui à président Jovenel n'a 10 mois seulement fait pile travail ça en Haïti. Yon bateau gaz rivé vendredi 5 janvier 2018 là sous port terminal Torlandlan avec 250 000 barils à bord. Directeur général BM Padla Ignace Saint-Fleur Fizeme était sous place. Il expliquait visite li nan terminal là c'est pour prouver pas de jambe te gen raté gaz sous marché a et puis comment qui t'est placé arrivé nan délai qui t'est prévoit. Nous invitons suivre un extrait dans micro Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. On te gen fenêtre 5 ou 7 pour bateau te fini, bateau vini le 5. Son exercice régulier. Mais il y a toujours un vieux mais bateau ça n'a pas là qui vini là, il pas vini au secours d'un pénurie qui te gagne non. Pays a te disposé de carburant particulièrement de gasoline, il y a pas là pour juste dimanche. La preuve bateau a là à peine li rivé pour côté gain débarquement tout côté on te dit pas de gain gaz yo, yo recommencé à vendre gaz normalement. Moi-même, ma première, c'est particulièrement les compagnies qui étaient de tête frette, qui pas te répondre au chant des sirènes également. Parce que, eux-mêmes, les compagnies et le BMPAD, ce sont des partenaires qui travaillent ensemble dans le secteur depuis longtemps. Ma première, c'est Mounana Diptou, qui pas te prendre pression, qui te quitte quelques graines pour l'ouvrir, pour permettre d'alimenter le marché. Ma première, c'est la population qui était tête froide. Attend à ce que, si effectivement, tu as gagné pénurie pour un petit comportement pour avoir gagné. Quantité de barils là, combien de quantité de barils qui viennent pour le moment, c'est environ 250 000 barils qui viennent derrière de nous là. Commencer dès demain matin. Il a commencé et que nous constatons que carburant là, mais par-delà tout ça, même considérer opération qui t'a faite depuis hier là et que jodi a nous venons couper court à opération, c'est pas d'opération qui t'a faite pour disons bah problème à BMPAD parce que BMPAD pour diable de m'rivé là dani, nous tirer leçon de l'expérience du passé, nous ouais que en pareil pour chaque année toujours gagné panique ça sous marché hein, affluence ça de tout le monde vers les pompes,
nous prenons des dispositions, nous anticipé, nous prenons des dispositions. Il y a un protocole d'accord coopération signé vendredi 5 janvier 2018 là entre gouvernement République Chine Taïwan et gouvernement haïtien. Si a ti accord ça doit permettre de renforcer qu'il t'y dirige en pleine caille. L'a coûté 8 millions de dollars américains et puis l'a duré 4 années d'après ministre agriculture ressources naturelles et développement rural agronome Carmel André Béliard. Nous invitons au suivant extrait. Pour mise en œuvre caravane, nous avons cellule les CASDA. Ouais. Qui coordonné par ex-ministre de l'agriculture, l'ingénieur agronome Jacques Thomas, eh bien, CASDA déjà passé dans près de 7 départements déjà, côté Yoshita, avec collectivité, avec élus locaux, avec autorité, avec société civile, dans chaque côté ça, ils ont fait une semaine Yoshita avec eux pour yo planifier ouais, passage caravane, c'est-à-dire gagner des plans d'intervention qui déjà prêt et gain nord qui pour au fin prenet non a gain une plus grande participation encore côté cellule là pour Chita avec les grands élus locaux, les collectivités territoriales, les mairies, les groupements de société civile, tout ça pour capable faire ce type plan d'intervention en caravane. C'était précision au ministre de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural qui dit qu'il paraît pour caravane changement cap gain pour tablier dans 10 départements pays à partir 7 février 2018 cap venir là. Et bien amis téléspectateurs, moment arrivé pour observer une pause dans le journal là, nous invitons à rester branchés, n'a tourner dans un petit moment. L'actualité internationale, le président français Emmanuel Macron arrivé dans l'ancienne capitale chinoise Yang le 8 janvier 2018. La visite d'un chef d'État dans le pays la Chine rentré dans quatre batailles climatiques. La. Nous invitons à suivre un reportage. Président français Emmanuel Macron démarré première visite d'État dans le pays la Chine avec un pèlerinage dans la source antique ou Tsoua. Zone symbolique pour parler de l'alliance entre Paris et Pékin dans le domaine commercial et climatique. Chef d'État français a décidé de mettre accent sur le symbole dans le cadre de la première visite qui a duré 3 jours. Si le président français a choisi Yang, c'est pour soutenir le projet Tokai Chinois qui a décidé de recréer une nouvelle route soir quand il plaidait pour une grosse alliance France, Europe, Chine sous le climat. Il faut prendre un peu de recul et mesurer. Il faut que nous fassions un bac. Il y a une façon pour mesurer la quantité de chemin déjà fait. Il est considérable. Qui est-ce qui a imaginé ça? Ça a été créé. La Chine a pu exercer sur question ça une force d'entraînement mondiale pour nous faire et nous démontrer. Et c'est pour sa capacité pour nous prendre conscience, pour nous transformer en entraînement qui fait preuve. M'a proposé de mettre le président Yi pour passer à une autre étape dans le partenariat franco-chinois pour relancer la bataille climatique. Macron voulait relancer la bataille climatique là pour atteindre l'objectif ça, il comptait sur diplomatie cheval là après diplomatie panda. Le président français a offert un cheval garde républicain avec le président chinois Xi Jinping, un geste zamitaille.